Donc je tiens absolument à prendre la parole en français pour associer mes amis qui sont ici et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de prendre part à cette assemblée, de nous associer au deuil, je dirais pas national, puisqu'il n'y a qu'une personne qui pouvait décréter un deuil national, il ne l'a pas fait, puisqu'il n'en a rien à foutre, mais au deuil des Comoriens, puisque tous les Comoriens sont en deuil. Il ne s'agit pas d'un accident, mais il s'agit d'un drame qui affecte tous les Comoriens. Il y a l'accident proprement dit, il y a les circonstances, mais c'est surtout l'irresponsabilité dont a fait preuve Azali et ses collaborateurs qui affectent les Comoriens et les familles des disparus. Donc nous tenons à exprimer nos condoléances au peuple comorien et puis au peuple frère de Tanzanie, puisque les deux, le personnel navigant, sont originaires de la Tanzanie, un pays frère. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, nous continuons à exprimer notre colère, notre indignation, puisque Macky Sall, c'est un président d'un pays frère. Sa visite aux Comores est sans doute justifiée. Mais Macky Sall ne méritait pas ce traitement. Et les Comoriens ne méritaient pas ce traitement. Nous savons qu'en telle circonstance, qu'en pareille circonstance, tout doit être déprogrammé pour exprimer l'indignation. Aucune raison d'État ne justifie que ce programme qui a été initialement défini, arrêté, soit exécuté au mépris du deuil du peuple comorien. Donc c'est une colère tout à fait légitime. Elle est justifiée, que nous tenons à exprimer ici au nom de tous les Comoriens. Qu'est-ce qui s'est passé n'est pas digne à la fois du président Macky Sall et d'Azali. C'est un mépris intolérable aux victimes, au peuple comorien. Troisième point que nous tenons absolument à souligner, c'est que l'absence de réaction immédiate alors qu'à 12h30, l'avion a décollé à 11h50, à 12h30, les autorités comoriennes étaient informées de la disparition de cet appareil. Il n'y a eu aucune réaction de la part des autorités comoriennes. Les premiers secours ont été déployés par les proches et les citoyens à Moïli. Ils ont réuni le peu de moyens qu'ils disposaient pour apporter le premier secours. Les débris et les objets personnels des victimes ont été retrouvés par des particuliers, puisque c'est eux qui ont apporté le premier secours. Azali et ses amis se sont rendus à Moïli, pas le jour du drame, mais le lendemain. Donc, ces circonstances d'irresponsabilité, de démission, nous amènent, nous les Comoriens, à faire appel à la solidarité internationale. Ça fait déjà, c'était samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est le cinquième jour. Cinquième jour. Nous ne sommes sûrs, certains, de rien. Aucun corps n'a été retrouvé. L'appareil n'a pas été retrouvé non plus. On n'est pas sûr qu'Azali et ses amis feront ce qu'il faudrait pour justement retrouver les corps et l'appareil. Donc si la solidarité internationale a un sens, et c'est le cas puisque nous avons été déjà, nous avons bénéficié de la solidarité internationale, et d'autant plus que parmi les victimes, il y aurait au moins deux Français. Il y aurait au moins deux Français parmi les victimes. Donc nous allons aujourd'hui enclencher tous les mécanismes d'appel
à la solidarité des autorités françaises pour justement faire tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'elles savent faire pour récupérer les corps de toutes les victimes, mais y compris les deux Français qui ont péri lors de ce crash. Bon, nous osons espérer, en tout cas nous prions pour que les informations qui ont fait l'objet de la une aujourd'hui d'un journal à Mayotte, que ça soit une fausse information. Mais si tant est que cela devait être vrai, que cet appareil n'aurait pas été autorisé à survoler dans le ciel tanzanien, ça ne serait pas une faute, ça serait un acte criminel. Un acte criminel. Ça ne sera pas un délit, ça serait un acte criminel. Bon, donc nous sommes très vigilants et nous demanderons à ce que toutes les responsabilités soient établies et assumées et les circonstances et les causes de l'accident également soient clairement identifiées. Nous savons que l'enquête sera très 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 difficile puisqu'il n'y a pas une volonté de la part des autorités comoriennes de faire diligence pour que à la fois le secours et puis les circonstances de cet accident soient établies de façon claire et nette. Je tiens absolument à rectifier des propos que j'ai tenus pour justement évacuer toute possibilité de confusion, voire même d'interprétation. Lorsque j'ai parlé de dignité du responsable, je voulais parler d'Azali comme quoi il n'est pas digne d'un chef d'État. Voilà. C'est Azali qui était visé par mes propos, donc je tenais absolument à rectifier pour dire qu'Azali aurait dû profiter. Il aurait dû profiter de la présence du président Macky Sall aux Comores, demander à ce que le président Macky Sall, à partir de Moroni, fasse appel à la solidarité internationale pour venir en aide aux Comores. Et ça, Azali n'a pas eu cette justesse, puisque ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de se servir de la présence de Macky Sall aux Comores pour bénéficier d'une forme, d'une hypothétique légitimité. C'est ça ce qu'Azali voulait. Mais il aurait dû saisir l'opportunité pour le faire. Mais nous profitons justement de cette opportunité, nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel solennel à la fraternité, à la solidarité africaine. Il n'y a qu'une seule personne qui peut enclencher tous les mécanismes de la solidarité africaine et internationale, c'est le président Macky Sall. Il est le seul à pouvoir, qui a la légitimité au niveau du continent, à lancer un appel à la solidarité en faveur des victimes de ce crash. Bon, donc nous le faisons, nous profitons de cette conférence de presse pour lancer cet appel à la fraternité africaine, à la solidarité internationale. Nous demandons au président Macky Sall de lever les leviers diplomatiques pour que des moyens soient mis à la disposition, non pas d'Azali, à la disposition des familles des victimes pour rechercher le corps et puis l'appareil également. Merci.